Et pour débuter le flash de ce 2 décembre, le nouveau visage du quartier Saint-Sauveur a été dévoilé il y a quelques jours par Martine Aubry. D'ici 2030, c'est tout un quartier qui sera réaménagé. Les travaux devraient débuter en 2018, voire 2019. Et c'est un gros chantier qui s'annonce sur l'ancienne friche ferroviaire lilloise. Les plans prévoient une rambla parcourue par une ligne d'eau entourée de végétation, mais aussi des logements, des bureaux, un jardin ou encore des halles qui favoriseront la vie culturelle et commerciale. Alors qu'en pensent les riverains? Xavier Signy est allé à la rencontre des Lillois du quartier Saint-Sauveur pour recueillir leurs avis. Occuper l'espace aujourd'hui, ça aura le mérite d'éviter cette désolation qu'on voit là aujourd'hui et puis les dégradations permanentes du quartier. J'ai entendu parler de transport doux. C'est ça. Et donc, bon, ça sera toujours quelque chose de positif pour le quartier. Ça augure plutôt des choses pas mal. Après, on attend de voir vraiment ce qui va sortir de terre. Les projets ont l'air bien, ont l'air très intéressants. Maintenant, on sait que c'est pas pour tout de suite. Donc, voilà, on attend de voir. Ici, c'est la pointe du. La fin de quartier de Moulins. On est assez excentré par rapport à la place Vanhecker et à la vie qu'il peut y avoir dans le centre de ce quartier. Donc, c'est une bonne nouvelle. On parle de la qualité de l'air sur Grand Lille TV car l'indice aujourd'hui est médiocre, un indice de 7 sur une échelle de 1 à 10, ce qui veut dire que les poussières en suspension sont nombreuses. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à prendre des mesures, notamment baisser votre vitesse de circulation au volant. Et pour les personnes sensibles, évitez les efforts physiques. Précision complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. Depuis plusieurs jours, on constate une augmentation des concentrations de poussière dans l'atmosphère qui continue encore à augmenter aujourd'hui, même si celle-ci ne dépasse pas les valeurs réglementaires. Donc nous ne sommes pas en épisode de pollution au sens de la réglementation. Pour autant, on voit une augmentation des concentrations en particules dans l'air. On peut s'attendre même à déclencher un épisode de pollution dans les prochaines heures, donc à dépasser les seuils réglementaires et vraisemblablement en fait des conditions qui ne devraient pas s'améliorer d'ici la fin de semaine. Découvrons ensemble un réseau qui nous vient des États-Unis et qui fait son apparition dans la métropole lilloise. Ce réseau s'appelle BNI pour Business Network International. Le BNI a été créé il y a 30 ans outre-Atlantique. Aujourd'hui, il représente 170 000 membres à travers le monde entier dans 59 pays très exactement. Pour y adhérer, deux critères, le professionnalisme et l'état d'esprit. Objectif, échanger et se développer grâce au réseau. Le BNI du Nord s'est réuni ce matin à Ennevelin. Alexandra Gossin était présente aux côtés des entreprises de la finance, de l'immobilier ou encore du bâtiment. Le profil type, ce sont des TPE et des PME qui interviennent localement ou régionalement, qui sont de tout type d'activités. On a des gens dans le juridique, dans la communication, dans le bâtiment, dans l'immobilier, dans la finance. Une des particularités de BNI, c'est justement une énorme diversité parmi ses membres. On rencontre tout type de professionnels. Sur les 12 derniers mois, dans le département du Nord, c'est plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel qui a été obtenu par les membres suite à des recommandations obtenues à l'intérieur du réseau BNI. En matière d'écologie et de biodiversité, la ville de Tourcoing a reçu le Grand Prix national de l'arbre. Dans cette commune, pas moins de 84 jardiniers entretiennent les espaces verts, parcs et jardins. Et les bons réflexes sont enseignés dès le plus jeune âge. Dans ce cadre, la municipalité propose des ateliers aux scolaires des écoles Camus et Pasteur, ainsi qu'aux enfants des papillons blancs. C'est ainsi que tous apprennent à planter des arbustes. L'occasion de les sensibiliser à la préservation de la nature. Céline Huret les a rencontrés. Ça, c'est de ma part. J'ai planté des arbres tout seul. J'ai planté des arbres, des arbustes. J'ai fait des arbres, des petits arbustes. On prend la petite racine, on la met dans le trou et on remet la terre autour. Et après, on met la petite chaussette et si on a envie de la revoir, on peut la arroser.
Et puis du spectacle pour terminer ce flash avec la compagnie Étrange Miroir qui s'est penchée sur le thème de l'Europe. Sur scène, de la danse, de la musique et des vidéos avec un contenu historique, le spectacle s'intitule Europe Endless. Et sur ces images, il a été joué devant des élèves du collège Boris Vian à Lille. Une performance artistique et poétique pour évoquer avec les scolaires le thème de l'immigration et de la place de l'Europe. Un spectacle qui rentre dans le cadre du festival Migrants Scène, auquel a assisté Fanny Bourdillon. Il n'y a pas une seule façon de voir la migration, que la migration c'est quand même un phénomène complexe, dans lequel nous on voit aussi beaucoup d'aspects positifs bien sûr. Les choses peuvent être vues d'autres manières, et puis on cherche à les questionner, quoi, enfin qu'ils se posent des questions. On apporte des bribes d'informations, mais c'est au milieu d'un spectacle, au milieu de la musique, la danse et tout ça. Donc voilà, ça peut-être que ça les questionne sur d'autres sphères, je sais pas. Fin de ce flash, restez avec nous car l'actu continue sur Grand Lille TV.